Je sens des choses qui changent, comment dire, comme quand on lance un caillou. Il y a des choses qui se passent autour, il y a des choses qui arrivent que je trouve saines. Le projet 2020, le projet 50-50 pour 2020, comme ça, je trouve ça merveilleux. Il y a une prise de conscience, voilà, d'une hyper-masculinisation des instances dans le cinéma. Donc, je crois qu'il y a un travail qui commence à se mettre en place. J'espère, en tout cas. Bon. Après, on sent bien quand même la société évolue un peu à cause de tout ça. C'est fou, quoi, comme ça a déclenché comme ça une prise de conscience, une légitimité pour plein de choses. Franchement, j'ai jamais connu ça. Voilà. Très honnêtement, alors si j'ai eu deux trois trucs qu'on m'a raconté, mais je n'ai jamais vu ça sur un plateau personnellement. Je pense que c'est un truc de génération différente aussi. Dans la génération, je crois que ça n'a. Oui, mais nous, on n'est pas des femmes, on ne peut pas dire totalement, mais a priori. Ça, j'entends. Mais je veux dire, par exemple, dans la génération des trentenaires, en tout cas, moi, je n'ai jamais vécu un truc. J'ai pas assisté à des choses comme ça, des mecs de mon âge, où il y a un rapport qui est assez égalitaire, hein, tu vois, je dirais. Je pense que c'est un truc peut-être d'éducation, je sais pas, enfin, le rapport que j'ai à l'autre, il est au même endroit. C'est juste une question. Je sais que c'est un truc de travail, quoi. Mais je sais qu'il y a une génération peut-être plus âgée où c'était peut-être très différent. Je crois qu'il y avait un truc comme ça de pouvoir aussi. Ah, d'accord. Mais enfin, Mais bien sûr. bien sûr, mais c'est vrai, mais que je sens pas du tout chez les gens de mon âge, quoi, ou plus jeunes. Ou alors je suis vraiment complètement à la ramasse.